Et avec moi, bien sûr, Sayan. Bonjour, Sayan. Bonjour, Soraya. Bonjour, Hakim. Je vois que vous êtes à Deutet Hamaoua. On va pas aller jusque-là. Toute seule, je peux régler. Il y aurait eu une assiette de sushi, je peux vous le dire, Ndhama. Mais là, bon, on va être sage. Ça va ce matin? Super bien. Vous avez passé un bon week-end? Oui, Hakim, content qu'il revienne parmi nous. Moi aussi, très, 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 très heureuse qu'il soit là. Pareil. Voilà. Alors, à ce qui paraît, j'ai fait un rêve hier. C'est moi qui ai fait un rêve. En fait, ah là là, j'ai raté ma relance. En fait, un rêve assez hilarant. C'est étonnant que vous ne sachiez pas, Soraya, si vous avez fait un rêve ou pas. Ah non, moi j'ai eu un cadeau hier, et un très beau cadeau. C'était plus qu'un rêve. Sartek. Merci. Et en fait, c'était un rêve assez hilarant qui virait plutôt vers le cauchemar. Et donc, j'étais en train de partir à une salle de cinéma et pour regarder le dernier film SF. Voilà, j'adore les SF, je ne m'en cache pas. Donc, je me suis bien installé, choisi une chaise qui est face au grand écran, un peu loin pour bien voir. Donc le film commence et j'ai eu une agréable compagnie. Je vais vous les décrire. Derrière moi, il y avait un monsieur qui dégageait des effluves corporelles, des senteurs bien raffinées. Ça sentait pas la vanille, je peux vous assurer. Et pourtant, c'était un rêve. À ma gauche, il y avait un jeune qui utilisait son smartphone. Déjà, l'éclairage me dérangeait, il tchatchait. Et des fois, il répondait, il y a Juan et Flassan, je regarde le film. Et à ma droite, il y avait deux dames qui discutaient tout au long de la séance. Donc arrive une scène où l'acteur principal va décéder, le héros, et il chuchote à sa dulcinée le fardeau, le lourd fardeau que trimballait sa famille. Et les dames, donc je n'ai pas pu regarder, écouter ce qui se passait. Vous n'avez pas osé leur faire la remarque? Si, j'ai dit, bon, dans le rêve bien sûr. Hein, dans le rêve, oui, on va être prudent. Ah madame, on regarde un film, s'il vous plaît. Donc elle me regardait comme ça et deux minutes après... Toujours, en fait, ce n'est pas qu'un rêve, ça se passe vraiment dans la vie réelle, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans la salle qui a oublié son téléphone allumé, sur son sonnerie, qui répond au téléphone comme si qu'il était tout seul à la maison. Voilà, c'est vrai que ça se passe. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Oh mon Dieu, oh my God, oh my God, oh my God. Et le pouvoir de Sayan. Et je me suis réveillé, heureusement que mon ami et collègue Sidi Ali Fares est parti à la cinémathèque. Il a pu découvrir une nouvelle production algérienne qui rentre dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance. Elle revient sur un parcours assez héroïque, celui de Pierre Chollet. En fait, le film s'intitule Le citoyen Pierre Chollet. Et donc, on va découvrir avec lui ce film. J'ai retrouvé la même attitude chez Jean Goudiaf. Le professeur en médecine, feu Pierre Chollet, a opté pour la nationalité algérienne. Au lendemain de l'indépendance, il a été l'un des pionniers de la médecine algérienne. Pendant la guerre de libération nationale, il a lutté aux côtés du Front de libération nationale FLN. Saïd Mahdawi a réalisé un film intitulé Le citoyen Pierre Chollet. Écoutons-le. Quand j'ai connu la personne, bien sûr que j'étais un peu impressionné par son vécu, par toute son histoire. Là, dans ce film, je raconte toute cette vie et cette œuvre qu'il a fait de sa vie. Donc, c'est énormément d'actes. Et la citoyenneté est importante, elle est un peu au centre de l'objectif. Pourquoi vous avez titré votre film « Le citoyen Pierre Chollet » ? Parce que c'est un citoyen algérien que peu de gens savent, connaissent. Il est temps d'abord qu'on reconnaisse ses actes, son militantisme pour l'indépendance de l'Algérie, son militantisme en tant que médecin, où il a réussi avec son équipe à vaincre l'épidémie de la tuberculose en 100 ans. Et les gens, les anciens, ils comprennent bien ce que je suis en train de dire. Et ce qui est malheureux, c'est que il y a encore des gens qui le considèrent comme un ami de l'Algérie, un ami de la Révolution. Non, lui, c'est pas un ami de l'Algérie, c'est un Algérien. Pourquoi Pierre Chollet? Parce que je l'ai rencontré et il m'a impressionné. J'ai vu en lui beaucoup de valeur. Et à partir de là, j'ai décidé d'en faire un documentaire. Toute sa vie, tous ses actes de militants et de médecins et de journalistes. Il y a des témoignages, et il y a des reconstitutions, il y a un travail sur les archives. C'est un cocktail. Le citoyen Pierre Chollet de Saïd Mahdawi sera projeté dans toutes les cinémathèques d'Algérie pour le grand bonheur des amoureux des reportages historiques algériens. Bon, après, le communautarisme ambiant aurait fait que... on peut nous honorer en tant qu'amis d'Algérie. On n'est pas des amis d'Algérie, mais des citoyens d'Algérie.
documentaire signé Saïd Mahdawi. Il a été applaudi par l'assistance et très commenté, beaucoup de questions lors du débat qui a suivi. Donc pour s'intéresser à cet Algérien, il n'est pas ami de l'Algérie, il est Algérien qui a soutenu la cause nationale, il a milité au sein du FLN, il a opéré au sein du FLN et contre justement la colonisation française. Donc un film qui sera présent sur les réseaux de la Cinémathèque algérienne jusqu'à la fin de ce mois. Merci Sayan Sangoku. Il n'y a pas de quoi. J'aurais voulu que vous partagiez mon rêve, mais bon. La prochaine fois. La prochaine fois, bien sûr. Voilà. Hakim et moi, on sera là. Merci, on se retrouve dès demain matin dans la matinale. Avec plaisir.